La série de festivités artistiques intitulée Wahhabiyat se poursuit présentée par la troupe nationale arabe de musique dirigée par le maestro Hazem Al-Qassabi. La festivité, tenue à la salle royale à l'Institut de musique arabe, vient au cours des nombres de festivités pour célébrer le grand musicien de génération. Le programme a donc regroupé une bande des plus belles et célèbres mélodies et chansons du grand musicien Mohammed Abdel Wahhab. D'ailleurs, le pirate d'Égypte a lancé une série de festivités mensuelles intitulée Wahhabiyat pour célébrer le grand musicien de génération, dans le cadre de son rôle efficace joué à promouvoir le goût artistique dans la société et susciter les symboles et pionniers de mélodies arabes, mais aussi pour faire connaître aux générations futures notre patrimoine artistique qui représente un part essentiel de l'histoire et la conscience du peuple égyptien et arabe. Oh.
Dans une soirée artistique d'aspect espagnol, l'artiste Mona Borjar a tenu une festivité au théâtre ouvert à l'Opéra. Le programme a donc regroupé une bande de spectacles de danse de bassa doble, célèbre, qui imite le sport de la tauromachie, en plus d'un groupe des plus belles chansons classiques occidentales, apparues dans les années 50 et 60 du siècle dernier. Thank you.
Yeah.
savoir que Mona Mohammad Hassan est une artiste alexandrine, surnommée Mona Bokhar, d'après son mari allemand Rodolphe Bokhar. Elle maîtrisait le chant français, anglais, espagnol, en plus l'arabe. Elle maîtrisait également la danse classique, le latin, le pasodoble espagnol, vise ainsi à diffuser la culture de la musique classique espagnole en raison de sa proximité, sérénité de la musique orientale. Elle a présenté de nombreuses performances de réussite dans divers lieux culturels en Égypte et a été bien accueillie par l'audience et les critiques. Oh,